Le rituel de la télévision. Une légende circule dans l'industrie de la télévision. Il s'agit de la chaîne Le Canal Éternel. Ce canal est très difficile d'accès et les rapports varient quant à ce qu'il est réellement. Je vais vous dire comment y arriver et ensuite quoi faire. Déjà, acquérir un téléviseur. De préférence avec analogique pour la meilleure expérience. Et le plus ancien sera le mieux. Acquérir aussi une télécommande. Il n'est pas nécessaire que cela corresponde au téléviseur que vous utilisez. Allumez le téléviseur et réglez-le sur une chaîne statique ou sur un simple écran noir si vous utilisez une télévision numérique. Fondamentalement, toute chaîne que vous ne recevez pas. Ensuite, quittez la pièce pendant environ 3 heures. S'il y a quelqu'un d'autre avec vous dans la maison, ne la laissez pas seule. Demandez-lui de rester près de vous. Il est également préférable d'appeler quelques amis. Pendant ces 3 heures, vous devrez obtenir quelques objets. Je vais les énumérer dans l'ordre du plus important au moins important. Remarque, aucun de ces éléments n'est obligatoire, mais cela aide, croyez-moi. Vous aurez besoin d'un objet qui vous tient à cœur, deux miroirs de poche, un pistolet ou une autre arme, votre livre préféré, un téléphone mobile, une clé, et enfin, un marteau ou une pioche. Quand les 3 heures sont écoulées, entrez dans la pièce. Demandez à tout le monde d'attendre devant la porte, puis refermez la porte. Fixez l'écran statique ou tout ce sur quoi vous réglez le téléviseur jusqu'à ce que vous vous sentiez désorienté ou paniqué. Ensuite, appelez les autres dans la pièce. Donnez l'objet qui vous tient à cœur à la personne qui vous tient le plus à cœur dans la pièce, puis demandez-lui de partir. Si vous n'avez pas pris un objet qui vous tient à cœur, serrez cette personne dans vos bras et murmurez-lui un secret à l'oreille. Puis là, vous demanderez à tout le monde de s'en aller et ordonnez-leur de ne pas revenir, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que vous ouvriez à nouveau la porte. Remarque, ce sera plus difficile pour eux s'il y en a plus, mais ce sera plus sûr pour vous s'il y a plus de monde. Croyez-moi. Maintenant, prenez les miroirs. Tenez-les de manière à ce que l'un reflète l'écran de télévision dans l'autre et que le second vous reflète, de sorte qu'il semble que le téléviseur soit derrière vous. Restez ainsi jusqu'à ce qu'une question apparaisse à l'écran. Si vous n'avez pas pris de miroir, asseyez-vous sur une chaise à l'opposé du téléviseur jusqu'à ce que vous entendiez un bruit. Puis, prenez la télécommande. Il y aura une question à l'écran. Appuyez sur la touche du haut pour répondre oui ou celle du bas pour répondre non. Il y aura entre 3 et 26 questions, si l'on fait confiance au rapport. Les questions seront portées sur n'importe quel sujet. Ça peut aller de questions triviales aux questions philosophiques personnelles, profondes. Répondez honnêtement. Sinon, vous ne réussirez jamais à atteindre le canal éternel. Après les questions, une de ces 3 choses se produira. Premier cas. Votre émission préférée apparaîtra, mais dedans, tous les personnages seront tués de manière déchirante. Deuxième cas, vous verrez une photo de vous, ou d'une chose que vous aimez le moins. C'est là que vous utiliserez l'arme à feu, ou l'autre arme que vous avez prise. Brisez l'écran de la télévision avec l'arme. Il se réparera alors de lui-même. Remarque, c'est évidemment la plus simple des 3 choses. Troisième cas, et pas des moindres. Un étrange vortex chatoyant vous entourera et vous sera entraîné dans une autre dimension. Si vous vous trouvez dans ce cas, voici ce qu'il faut faire. Vous vous retrouverez dans une réplique tordue de votre maison. Vous devrez vous rendre dans votre chambre où vous trouverez les 4 éléments énumérés dont vous aurez besoin pour cette partie. Prenez-les. Sortez de cette maison. L'extérieur sera une version plus diabolique de notre monde, avec un ciel rouge, un soleil gris, des plantes orange foncé et une fine brume vermillon omniprésente. Vous devrez vous rendre au bâtiment public le plus proche, c'est-à-dire une école, un centre commercial, une station-service, etc. Utilisez la clé sur la porte et entrez. La clé s'adaptera à la serrure. Si vous n'avez pas pris de clé, entrez par une fenêtre. En entrant, trouvez une chambre avec une seule entrée. Asseyez-vous dedans
et commencez à lire votre livre. Si vous n'avez pas pris de livre, asseyez-vous et faites en sorte de vous ennuyer ou d'être effrayé. Vous entendrez des bruits de pas à l'extérieur de la porte dans l'heure qui suit. Ne levez pas les yeux du livre. Une fois que vous n'entendez plus les pas, comptez jusqu'à 250 à voix haute. Tous les 10 numéros, vous entendrez un autre pas de plus en plus près de la porte. En atteignant 250, vous entendrez un coup à la porte. S'il y a 3 coups, ouvrez la porte. S'il y en a 4, dites 2 fois « Je vous interdis, je vous interdis !» Puis ouvrez la porte. Vous verrez une statue en pierre de quelqu'un que vous aimez profondément à l'extérieur de la porte. Cela peut être un membre de la famille, un meilleur ami, un ou une ex-petite amie ou même un personnage fictif. Écrasez sa tête en morceaux avec le marteau ou la pioche. S'il s'agit d'une femme, détruisez également la main gauche. Si vous n'avez pas pensé à prendre le marteau ou la pioche, poussez la statue. Sortez du bâtiment par l'entrée par laquelle vous êtes rentré. Il fera déjà nuit. Regardez la lune. Elle sera soit rose, soit verte. Et soit pleine, soit à moitié. Si c'est rose et demi, retirez le téléphone et appelez votre troisième contact le plus récent. Si c'est rose et plein, sortez le téléphone et composez un numéro aléatoire, avant qu'il ou elle morde dans votre langue. Si vous n'avez pas pris l'appareil, faites semblant de faire les choses ci-dessus. Si elle est verte et demi, enlevez tous vos vêtements et retournez chez vous. Ne regardez pas derrière vous, quoi qu'il arrive. Si elle est verte et pleine, pour lire franchement, vous êtes foutu. Vous serez mort dans une demi-heure. Si c'est l'un des trois premiers, vous vous réveillerez devant la télévision et vous pourrez continuer le rituel. Après cela, vous aurez atteint le canal éternel. Ce que vous faites maintenant dépend de vous. Si vous avez accédé à la fonction guide, vous verrez des émissions répertoriées telles que le sens de la vie ou comment acquérir le véritable amour. Choisissez-en un. Remarque, plus vous avez de personnes à l'extérieur de la porte avec vous, ça détermine la révélation que sont les spectacles. Plus il y a de monde, meilleures sont vos chances de voir des émissions avec des résultats qui changent votre vie. Ou si vous continuez à regarder la statique, sans aller guider ou rompre le contact visuel avec la télévision, vous verrez une série d'images qui, une fois déchiffrées, révéleront la réponse à votre plus grande question. Il y a à ce stade beaucoup d'options. Beaucoup trop pour vous le dire ici. Faites simplement ce que vous pensez devoir faire et quelque chose se passera. La grande majorité des choses seront bonnes, mais certaines seront mauvaises. Vous pouvez quitter la salle à tout moment. Cependant, il y a 2 règles. Vous ne pouvez jamais parler de ce que vous avez appris après avoir accédé au canal éternel. Et vous ne pourrez atteindre le canal éternel que 4 fois dans votre vie. J'espère que vous trouverez l'expérience enrichissante. Elle l'a été pour moi.